Salut les amis, bienvenue, c'est On n'y connaît rien. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Merci de nous suivre aussi nombreux hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est sympa de vous abonner, c'est sympa de mettre un petit pouce. Ça nous encourage et merci pour tous vos messages de soutien. Et voilà, le but hein, c'est de s'amuser à goûter des vins qu'on aime bien, voir si ça plaît aux copains, découvrir de nouveaux cépages, de se former un nouveau palais. Mais le problème, c'est qu'on n'y connaît rien. On progresse un petit peu, mais bon, on fait comme on peut. Aujourd'hui, dégustation d'un 100% Grenache. Le Grenache de Jean-Marie Rimbert, dans l'Hérault, vers Béziers. On va goûter le Grenache à tort. T'as tort ou t'as pas tort? C'est l'iconoclaste, le foufou Jean-Marie Rimbert. Je le connais pas personnellement, hein, c'est ce que j'ai lu dans les articles. Mais là, ça a l'air d'être un personnage assez incroyable, assez sympa. Vont-ils, les copains, trouver le 100% Grenache? Rien n'est moins sûr. T'as tort ou t'as pas tort avec le Grenache à tort de 2016? Allez, à tout de suite. Je pense que ça aurait mérité d'être carafé. Parce que si l'idée c'est de dire des mots compliqués, je peux le faire. Moi je dis au nez comme ça, je dirais si ça en dirait un Bourgogne. Ça va français, Alex? Oui, ça va français, 100% monocépage. 100% Pinot Noir. 100% monocépage. Très très peu de nez. Très peu de nez. Très peu de nez. Pour ne pas dire pas de nez. Le bois, très peu de nez, moi. Ah ouais. Ah oui, c'est très spécial. Il a une personnalité très particulière en goût. J'ai du mal avec ce vin, il me questionne. Il n'y a pas de soleil en tout cas. Il n'y a pas de soleil? Je trouve non. Qu'il y a... Ok. C'est bien ça. Il y a une astringence assez nette. C'est un vin à manger avec peut-être un filet mignon. Ouais, moi ça appelle la viande. Ouais, ça ira très bien avec un filet mignon. Oui, c'est un vin de rôti, ça. Ah. Mais bon, à déguster, c'est... Bon, donc une côte rôtie. Ah. Non. Mais ça peut pas être du Beaujolais, ça. Non. Alors, je vais être catégorique. Ça n'est pas du Beaujolais. Aïe. C'est sûr et certain. Moi, je pense plutôt à Bourgogne. On est à moins de 50 km de Beaune. Ouais. Ah, d'accord. On est à moins de 50 km. Donc, un peu au nord ou au sud? Non, là, je suis sur un rayon pour l'instant. On va pas. Ouais. On est sur un rayon. Ah, qu'est-ce qu'on a comme cépage en Bourgogne? Vous voyez qu'on n'y connaît rien. C'est comme ça. Pinot noir, pas que. Bah, si. Chardonnay en blanc. Non, c'est pas du blanc. On pourrait être sûr. Non, mais je veux bien qu'on me dise que j'y connais rien. En Bourgogne, il n'y a que du Pinot Noir. Ah, que du Pinot Noir. Attention, ça, il y a sûr que c'est pas un vin espagnol. Moi, je serais sur un vin qui doit être 2012-2013, un truc qui a au moins une petite dizaine d'années, quoi. Il y a un vrai parti pris. C'est hyper. C'est très net, quoi. C'est très brut, je trouve, très animal. Oui, ça appelle la viande. Ouais, mais du coup, c'est une volonté du vigneron. C'est une volonté du vigneron de hyper bam, typé, hyper typé. De vouloir faire ça, quoi. C'est un peu fou. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un défaut du vin, là? C'est généreux, c'est généreux. Hein? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que le vin a un problème? C'est volontaire. C'est dur. Alors, peut-être on peut basculer du côté de Cahors, tout ça, c'est possible aussi. Peut-être Malbec? Ouais. Malbec? Franchement. Ouais, oui, franchement. Non, ça me va pas. C'est pas ton truc. Je suis pas satisfait. François. J'ai pas de théâtre. Bah, je trouve que sa typicité en fait quand même un produit très particulier qu'on peut faire avec une viande, par exemple. Ça marche super bien. Ok. Julie. Moi, je dis que là, tout de suite, c'est un peu âpre, mais avec le repas de tout à l'heure, je vais adorer. Je sais que je vais adorer après. Okay. Mathieu, est-ce que toi, moi, je suis paumé, Alex. Je suis complètement paumé. J'adore. Je trouve ça très, très bon. Il y a un peu de vieillissement fût, je pense, et ça me plaît. C'est fin. Bon. C'est bien foutu, mais d'où ça vient, franchement. Donc, ici, on est sur Cahors. Cahors, j'ai basculé. Quelle année? Bah, ça reste à ma connaît. Cahors, Domaine Garnier. Ouais, 2019, ça me va. 2019 ouais. Peut-être même 2018, parce qu'il y a quand même une longue maturation. Julie, toi, tu Domaine. Moi, je dis Syrah, je garde Syrah de 2018. Domaine Benoît. Et moi, quand je sais pas, je dis que c'est une Syrah. Moi, je dis Louis XVI. 2012. Ouais, 2012. Allez, Grenache à tort. Ah, c'est Grenache. 100% Grenache. Les amis. Ah ouais. Et ça sort de où alors? Ça sort de chez Jean-Marie Rimbert à Béziers. Béziers. C'est moi le moins loin. Hein? C'est moi le moins loin. Grenache à tort. Oui, c'est vrai que Cahors, c'est pas très loin. Cahors, ça marche. Syrah, je me fais toujours avoir par cette Syrah. Ouais.
C'est super bien. C'est super bien. Je suis déçu de ne pas l'avoir. Grenache, c'est la Grenache. Pour, on en a rarement. Hein. Bah, j'ai dit 100% Grenache l'autre fois sur ton fleuri. Oui. Voilà. Pourquoi tu l'as pas trouvé là? Mais non, parce que j'étais perdu. Je sais pas. Je, 34-0. Est-ce qu'on peut saluer le maire de Béziers? Grenache à tort, voilà. Ouais, Robert Ménard aussi. Le vin de Jean-Marie Rimbert. Au maire de Bouziers. Bon, bah, on n'y connaît rien, hein, les gars. Ah non, là, on n'y connaît rien. Syrah, vous étiez. Ouais, je suis le plus proche. Voilà, et avec lui. Cahors, c'est proche de Béziers aussi. Ouais, mais pas en termes de cépage. Hein, on arrête les conneries là, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup, c'était On n'y connaît rien. Et encore merci à Jean-Marie Rimbert pour son Grenache à tort qui est assez atypique et qui a une vraie personnalité. Là, comme son vigneron. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde était d'accord sur la particularité du vin. Exactement. Et quelle année 2016, pardon, j'ai pas dit 2016. On avait raison d'être plus loin que 2019. Ouais. Hein. Ouais. Il y a une maturation quand même. Hein. Tout à fait. Salut les amis, à bientôt. Ciao. Salut.